La vie au monde, c'est même, j'aime quoi, que dans la vie en entreprise. À 42 ans, un garçon, une fille qui a un peu de maturité, au fin, ouais, un peu de bagaille, au fin, vivre un peu dans la jeunesse, et là, ça, quand on est petit monde, et je crois que Métropole, c'est un peu même genre. Dans la vie en entreprise, à 42 ans, nous, on a un peu de bagaille. Métropole commence depuis le 8 mars 1970, et nous fait, même genre qu'on est, en pile route, côté te gain un pile problème politique. Nous sommes dans François Duvalier, nous tombons dans Jean-Claude Duvalier, nous tombons dans le régime militaire. Ensuite, après ça, nous venons dans l'élection et qui baille différents présidents que nous connaissons. Et tout ça, l'envie aux médias, nous là pour nous participer à l'envie politique là. Nous sommes terrain, nous sommes béton, j'en veux dire. Et je dis à 42 ans, ça a une expérience et nous apprenons de tout baille ça. Et je dis à nous espérer qu'avec l'expérience, ça, ça permet de nous continuer faire information avec un pile objectivité. Son mot que nous aimons un pile la métropole. Et qui est plus marqué pendant 42 ans et la vie métropole? Tellement de choses qui passent, vraiment. Je ne peux pas dire que gagné un événement en particulier. 28 novembre 1980, c'était marqué en pile. Parce que c'est des bails qu'on vit. Ou pas pour encore. C'est-à-dire que tu vois les journalistes noirs, ils ont arrêté, ils voient en pile, en exil, dans un pays étranger, ils ont été obligés de fermer, ou pas qu'à faire rien, ou pas qu'à blanc. C'était des moments très difficiles. Comme le monde, nous sommes vivre là tout. C'est un moment très difficile tout. Et nous vivons tout à travers les médias. Donc, je ne pas qu'à songer un moment particulier, mais c'est tout un tranche de vie. Pas moi, que me passer dans la joie, que me considérer qui ont tout. 42 ans, Radio Métropole existait, ça ne veut pas dire que les films vivent. Donc, qui pilote gros rêve vous gagnez pour Radio Métropole? Je vous pose une question ça plusieurs fois, je dis. Et je ne peux pas révéler rien, parce que vraiment, et pour être honnête, je ne peux pas dire comme ça que nous gagnons des projets spécifiques. Nous sommes très fiers de Télémétropole, qui a 3 ans, on t'y met toujours. Et ça me tape du tout, c'est que pour tout nègre qui est dans la radio, à la télévision, je dis, je regarde, je tape 10 à matin, je dis à l'autre radio que tu viens interviewer, broadcaster, nègre qui est dans la radio avec la télévision, pour quelqu'un pour faire face à des nouveaux défis. Parce que, ou gagne Internet, je dis, avec tout Facebook, Twitter, tout bagaille ça, yo, que je dis, qui a bombardé jeunes avec information, et tout le monde vient aux journalistes. Parce que n'importe qui est chez toi qui a écrit son blog, vous devez résoudre ou partager l'information. Donc, on y a un média qui broadcaste pour l'obliger à intégrer d'une certaine façon avec un nouveau système ça, pour créer un nouveau bagaille. 42 ans après, en tant que responsable métropole, qui souhaite vos médias ça? Bon, moi, je souhaite que métropole qu'il y ait une ligne d'abord. Moi, je souhaite que nouvelle génération qui vini, que ce soit au niveau de dirigeants, au niveau de famille, hein, capable de gagner, continuer de gagner une façon de penser que vous tout partagez et pour nous capables d'aller d'avant. Dans ma stéréo avec Osmith, nous défendons 10 ans là. Après, nous défendons Vision 2000, en 7 ans, avec Mando Sanon. Et puis, Kounia, Métropole 10 ans, que tu m'as animé chaque matin, sport matin, 5h30. On a dit premier sur le cadran. On a essayé de faire un parti local et un parti surtout international parce que nous avons un peu d'information. Et c'est ça mon petit genre déploré. Et ce n'est la partie locale. Le sport en Haïti, non seulement pas grand-pile d'activité. L'erreur qui gagne, on pas d'information parce que tout système de communication et de toute fédération, ça est défaillant. Donc, si ce n'est pas la substance en tant que bonne information, ou pas qu'à vendre, et information locale là bien, et, ok, et en football c'est déjà pénible, football féminin n'en parlons pas, volleyball qui est débat intéressant, l'autre semaine passée on a un débat intéressant, tennis de table avec le tennis de table de Kiskeya, l'Afrique Nijan, volleyball là pour moi intéressant dans le week-end, non, nous-mêmes nous avons un bayo, mais nous pas gagné, et on doit faire bouillir la mamite. Donc chérie, le sport à la ligne de bord c'est 5h30, est-ce qu'il est facile pour nous lever bonnet comme ça, et puis c'est également le samedi? Mon cher, il y a deux bagages qui sont très simples. D'abord, nous sommes des professionnels, c'est déjà une chose. Et deuxièmement, on met discipline. Ça veut dire que moi-même, la semaine, mal de manœuvre,
et puis moi réveillé à 4 heures du matin et pour la radio à 5 heures. Chaque jour, la radio à 5 heures et pour préparer l'émission de 5h30 précise. D'ailleurs, la sécurité, les connaît qu'il m'a privé déjà des barrières. Pour le sommeil est bien rodé, nous sommes comme des robots parce que nous avons un contrat moral et contrat professionnel et tout. Donc nous ne pouvons pas rater l'occasion ça. Et même, par exemple, j'ai dit à cette métropole, pas grand-rien qui t'a dit que demain n'est pas là. Pas grand-rien qui dit ça, parce qu'il ne faut pas maintenant fêter avec métropole, c'est vrai qu'on fête à soi. Hein. Mais moi, je m'arrangerai pour... Parce qu'il y a des auditeurs qui vous attendent, des confrères aussi.